amis du soleil, chantons. Tu es chaleur, tu es lumière, gloire à toi, soleil. Amis du soleil, nous accueillons aujourd'hui un nouveau rayon. Chaleur et lumière. Lumière et chaleur. Quel est ton nom, jeune rayon ? Marie-Thérèse. Ah non ! Je te rappelle qu'ici, chez les Amis du Soleil, tu dois choisir un autre nom, un nom qui évoque pour toi l'astre sacré. Ah, vous voulez bien sûr un nom en rapport avec le soleil. Oui, j'ai choisi, je l'ai là. Alors, comment t'appelles-tu ? Nivea. Chaleur et lumière, Nivea. Lumière et chaleur. Eh bien, Nivea, bienvenue chez les Amis du Soleil. Merci, maître, merci. Appelle-moi Master. Oh oui, bien sûr, excusez-moi, j'étais dans la lune. Chaleur et lumière, Master. Lumière et chaleur. Tu es chaleur, tu es lumière, gloire à toi, soleil. Tu as raison d'être venu nous voir, Nivea. Tu as frappé à la bonne porte. Excusez-moi, mais en ce moment, je suis pas... Ça fait déjà un moment que je suis pas. Mais là, je sens que je sais pas. Oh, je sais pas. Ne t'inquiète pas, Nivea. Moi, je sais. Non, vous savez pas. Vous pouvez pas savoir tout ce qui m'est arrivé pendant toutes ces années. Mon mari Alfred qui m'a quitté. Mon fils Christian Christophe qui m'a abandonné. L'année dernière, mon fiancé Rudy qui m'a laissé tomber. Et mon petit chien Bijou qui est mort il y a une semaine. Ah non, ça vrai, bon. Les hommes m'ont beaucoup déçu. Raconte-nous tout. Depuis le début. C'est vrai, je peux. Bon, merci, Master, merci. Lueur et chaudière. Marie-Thérèse Porchet, née Berthollet, se souvient. Flashback. Comme je te le dis, Jacqueline, une boucle d'oreille. Christian Christophe est rentré de l'école de recrues avec une boucle d'oreille. Non, mais tu te rends compte, mon fils? Mon fils à moi complètement défiguré. Je lui ai dit, choupette, tu vas me faire le plaisir d'enlever ça tout de suite. Rien à faire. Oh non, mais après tout ce que j'ai fait pour lui. Oh non, mais les gamins, je te jure, hein, tu leur donnes le bras, ils te bouffent le doigt. Eh ben, tu vois, Jacqueline, finalement, j'aurais mieux fait de faire comme toi. Fausse couche sur fausse couche. Oh, écoute, ça va, y a pas mort d'homme. Bon. Tu commences par le blanc, Jacqueline. Ou alors tu fais tout bouillir à 30. Mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais... Oh non, non, mais regarde-moi ce filtre, dans quel état il est? Ah non, mais ça c'est la Lopez du 5e. Oh, mais quand je pense qu'ils l'ont nommé concierge... Ah non, pardon, on n'a plus le droit de dire concierge maintenant. Non. Madame est technicienne de surface. Ouais. Et il y en a de la surface. Non, mais regarde-moi ça, mais c'est dégoûtant. Mais il y a à boire et à manger sur ce filtre. Il y a tout ce qu'on veut. Non, moi, tu me connais, Jacqueline, je suis pas raciste, je suis pas xylophobe. Mais je regrette, ils sont pas comme nous, non. En plus, la Lopez, elle me pique mes sugus. Mais la preuve, mardi passé, j'ai oublié volontairement mon paquet de sugus ici. Elle m'a bouffé tous les rouges. Mais elle croit que je m'en rends pas compte, mais regarde, j'ai fait une marque au feutre. Non, en plus, moi, tu sais comme je suis sensible à la symbolique des prénoms, Jacqueline. Ouais. Eh ben, tu sais ce que c'est le prénom de la Lopez? Lourdes. Ça pouvait pas mieux tomber, Lourdes. Non, en plus, elle est balance, y a pas de hasard. Non, 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 non. Non, ça y a pas, c'est terrible. Ils sont chez nous, ils font comme chez eux. Mais d'ailleurs, même chez eux, ils sont pas comme nous. Mais tu sais, moi, je me souviens de vacances au Portugal avec Alfred. Oui, tu vois, ça date pas d'aujourd'hui. Hein, oui. Eh bien, nous avions des voisins, les Sanchez, très gentils. Mais pas une fois, ils sont venus s'asseoir à notre table. Enfin, remarque, comme disait Alfred, Sanchez, qu'il valait mieux qu'il s'assoie pas. Hein? Oh, vous savez, il avait de l'esprit, Alfred, oui. Il est parti trop tôt, oui. Enfin, heureusement que c'est la dernière fois que je l'ai là, ces chemises militaires, parce que alors, tu sais, c'est pas... Tiens, c'est la première fois que Choupette me fait laver ses lacets. Mais oui. Oh, mais écoute, Jacques, mais t'as qu'à tout mettre à 60, tu fais pas d'histoire. Mais bien sûr, c'est... Oh non. Mais Choupette a oublié son portefeuille dans sa poche. Ah non, mais ça lui ressemble pas d'être tête en l'air comme ça. Mais je te dis, je le reconnais plus en ce moment. Mais encore hier soir, il m'a annoncé qu'il avait rompu avec la petite Isabelle. Elle était comme ça tellement jolie. Ah oui, tu sais, la petite Isabelle, celle qui ressemble à Dalida. La
petite brune avec les cheveux tout courts. Attends, il doit y avoir sa photo à Isabelle là-dedans, mais bien sûr, il y a une photo. Non, écoute, Jacqueline, non, là, il faut que je te laisse, il faut que j'aille sortir mes joues. Oui, alors on se rappelle, Jacqueline. Eh hey, mon Dieu! Oh, oh. Non, mais c'est pas vrai, Seigneur, vous avez vu? Vous avez vu ça? Vous avez vu cette photo? Un homme? Un homme nu? Ouais, ouais, nu, puis alors nu. Ah bah regardez. Alléluia, alléluia. Oh, mon Dieu, Jacqueline, mais quelle horreur, regarde-moi ça. La photo d'Isabelle, tu te rappelles? Eh ben, c'est pas Isabelle. Ah, oh, ça, comme tu dis, elle a un petit quelque chose en plus. Enfin, petit. En tout cas, Jacqueline, jure-moi que tu n'en piperas pas, moi. Mais quelle horreur cette photo, mais pourquoi tout ça m'arrive à moi? Mais j'ai pas fouillé dans son portefeuille, je l'ai trouvé à l'intérieur. Avance, avance, je te dis. Le corps de Christ. Le corps du Christ. Amen. Excusez-moi mon père, je peux en avoir deux. Non, c'est pas pour moi, c'est pour emporter, c'est pour mon fils Christian Christophe, il en a bien besoin en ce moment. Non, il n'a pas pu venir, non. Non, mais justement, je pensais lui glisser l'hostie dans ses céréales du matin pour le faire communier au petit déjeuner, vous voyez, le genre Rice Krispies. Non, ça se fait pas. Mais pourquoi pas? Mais alors, si vous avez peur que ça se garde pas, rassurez-vous. Oui, parce que j'ai amené mon petit Tupperware spécial pour la messe. Il est venu avec lui. Avec lui, non seulement vous conservez l'hostie, mais en plus vous gardez la foi. Non, mais alors comment voulez-vous répandre la parole du Seigneur si on peut même pas porter un petit morceau du Christ? Mais vous êtes rigolant, où est-ce que vous voulez que j'en trouve, hein, des hosties, à part chez vous? À la COP? Oh, mais, quelle horreur cette photo, mais pourquoi mon fils? Oh, cette fois c'est foutu, je peux faire une croix dessus. Non, alors toi ça va, chacun la sienne. Oh, mais Seigneur, pourquoi mon fils? T'as pas eu assez d'ennuis avec le tien? Quand ça m'arrange, eh bien quand je peux, vous voyez que j'ai que ça à faire. Évidemment, vous habitez là, c'est facile. Bonjour, Madame Lopez. Ah bah évidemment qu'elle vient tous les jours, elle. C'est dans les gènes. Oui, eh bien moi, j'ai pas le temps. Et puis j'ai droit à ma vie privée, nom de Dieu. Non, pardonnez-moi mon père parce que j'ai fourché. Je voulais dire nom d'une pipe. Oui, je sais bien que c'est pas beaucoup plus pieux, mais au moins on est à genoux. Et c'est là encore, mesdames, une superbe nouveauté, un tout nouveau modèle signé Tupperware. La double boîte à savon. Alors, vous mettez votre savon dans la petite boîte rose, comme ceci. La petite boîte rose, vous la mettez dans la boîte bleue, ce qui vous permet de vous doucher sans mouiller votre savon. Tupperware! Ouhou! Ça sert à rien, mais c'est tellement pratique. Non, Madame Marfurt, non, on ne peut pas mettre la boîte bleue dans la boîte rose. C'est le petit garçon qui protège la petite fille avec amour. C'est la nature. Comment ça, pas partout? Mademoiselle Clarisse, vous allez faire des réflexions sur tout, comme ça? Bien. Je vous rappelle que nous avons cette quinzaine, la super promotion de l'ascenseur à cornichons. Alors, vous pouvez sortir votre cornichon du vinaigre sans vous salir les doigts. Un simple mouvement de va-et-vient. Et tout va bien. Vous voyez, Madame Amstutz, vous voyez, ça marche aussi avec des concombres. Vous voyez, mais des petits, vous voyez, genre cornichons. Ah oui, alors il est donc bien entendu qu'un ascenseur, ça se nettoie de temps en temps, n'est-ce pas, Madame Lopez?
tiens, à propos, Madame Lopez, je viens de recevoir un tout nouveau modèle, parfait pour vous, la boîte à grosses tourtes. Qui, en cas de pluie, peut également servir de protège-gourde. Suzanne, c'est aussi pour toi. Ah oui, je vous rappelle encore les deux modèles qui se sont le mieux vendus le mois dernier. L'incontournable rouleau à pâte, toujours très utile si vous êtes marié. Et la célèbre pipette à jus, indispensable si vous ne l'êtes plus. Mademoiselle Clarisse, nous nous passerons de vos commentaires. Ah tiens, d'ailleurs, à propos, Mademoiselle Clarisse, ça s'arrange vos varices? Ah, ça vous monte jusqu'aux cuisses? Bah, quand ça montera jusqu'au pubis, vous appelez la police! Sans oublier, évidemment, notre bon vieux Quick Shaker pour la sauce à salade. Tchic-tchic-tchic! Oui, alors rappelez-vous juste qu'il faut vous souvenir de bien recouvrir avec le petit capuchon, hein? Non, parce que sinon, quand vous secouez, tchic-tchic-tchic, vous allez recevoir toute la sauce. Mademoiselle Clarisse, ça suffit, ces allusions! Quoi, mon fils, Madame Falconet? Jacqueline, tu m'avais promis de ne pas piper mot! Mais quoi, je m'énerve. Mais non, je m'énerve pas! Allez, tout le monde dehors. Vous mais toi aussi, Jacqueline Dubalet. Écoutez, Madame Projet, une autre fois, là, je suis désolée, j'ai pas le temps. Oui, mais là, je vous dis que je suis pressée, alors elle est loin. Oust! Oh, mais cette Clarisse, mais ce... Oh, mes trésors, mais heureusement que vous êtes là. Oh, ma pipette, ça va où? Mais ça, c'est la pipette à sa maman, ça. Dame, si vous êtes une vraie dame, vous assistez à nos réunions. Reste, si vous avez des restes, je vous apporte la solution. Avec mes Tupperware, tout est beau, tout s'éclaire, je mets tout en... Je suis toujours fidèle à ces jolis modèles des monstratrices en herbeux. Tous nos produits sont garantis à vie. Bonjour fraîcheur, radieux. Que l'on soit pute.